Alors, si ça tourne. Alors, bonjour et bienvenue dans cette première semaine du MOOC Addict sur les pratiques du numérique. Mon nom est Didier Assier, voici Philippe Descamps et nous allons être les animateurs pour aujourd'hui. Avant de commencer, nous voulons revenir brièvement sur ce qui s'est produit ces derniers jours et nous souhaitons renouveler tout notre soutien aux familles des victimes des attentats d'avant-hier et hier. Le MOOC collaboratif que nous essayons de développer, de construire, se réalise ensemble en construisant et en partageant des connaissances et aussi en reconnaissant la contradiction, les différences. Beaucoup de personnes se sont inscrites et les échanges sont déjà vifs sur le forum de discussion. Brièvement, comme nous sommes sur le webinaire 1, et pour rappeler le contexte, la semaine démarre le mardi jusqu'au mardi suivant. Alors on travaille aussi le lundi, mais là ça démarre le mardi, avec une rubrique pour lancer la discussion, une phase 1, 2 et 3 qui nous permet d'approfondir des notions, et le webinaire du vendredi, donc aujourd'hui, de 12h15 à 13h30, en public ici à la formation continue et en direct sur Internet. Et ensuite, le samedi et le week-end, c'est toujours possible de discuter et d'échanger. Et nous ferons une synthèse, Philippe et moi-même, lundi, mardi matin, et ça sera posté mardi matin. Justement, vous avez vu sur le forum qu'il y a de très nombreuses questions. C'est possible pour les messages que vous trouvez particulièrement éclairants de les signaler. Hein, il y a sur chaque message une petite croix et aussi une étoile qui vous permettent de signaler et de suivre des messages particulièrement intéressants et donc de faire remonter. Hein, sinon, il y a plusieurs centaines de messages qui sont postés pour nous permettre de nous y retrouver, pour nous aider. C'est un MOOC collaboratif, nous voulons échanger sur ces thèmes ensemble et c'est aussi à vous de faire remonter ce qui vous paraît le plus intéressant. Vous pouvez aussi participer au glossaire et mettre les définitions qui vous paraissent un peu les plus intéressantes. Pour le webinaire d'aujourd'hui, deux invités, deux animateurs, quelquefois trois animateurs. Les participants qui nous suivent directement sur Internet et aussi ceux qui sont en public peuvent poser des questions par Twitter avec le hashtag NumAddict, par Coconuts Live aussi, vous pouvez retrouver ce lien sur le MOOC et par le forum et des animateurs feront remonter vos questions à 1h05 et on aura la chance de poser toutes ces questions à nos invités. Oui, bonjour. Alors donc cette première semaine, on a souhaité aborder la notion d'addiction et d'addiction comportementale, pour préciser et avant d'entrer, je dirais dans le vif du sujet la semaine prochaine, à savoir nos usages du numérique et leurs conséquences dans nos vies. Les premiers jours, vous avez été très nombreux à vous présenter de manière dynamique, ça a été très appréciable. Un grand nombre d'entre vous ont exprimé des motivations, un grand nombre d'entre vous d'horizons très, très variés ont exprimé des motivations professionnelles ou personnelles, souvent en ajoutant des considérations déjà sur leurs usages, éventuellement leurs difficultés ou celles rencontrées avec leurs proches. Quelques-uns ont même été jusqu'à parler de leur addiction en développant de manière sincère et parfois détaillée. Alors à ce sujet, bon, la semaine prochaine vous serez plus amené encore à parler de vos usages. Je souhaite rappeler que on peut intervenir de façon anonyme, hein, parce que ça peut être quelquefois délicat pour que la parole soit bien libre. Il y a eu aussi des débuts de discussion assez passionnants, par exemple sur la surinformation ou info-obésité, ou il y en a voilà comme ça quelques sujets qui ont démarré tout seuls, on a envie de dire.
On vous invite à partir de maintenant à essayer de vous regrouper, à faire être dans des synthèses, des approfondissements. Avant de donner la parole aux invités, je vais juste dire quelques mots au sujet de ce qu'on vous a proposé, c'est-à-dire le nuage de mots, qui a fait ressortir quand même quelque chose de très intéressant à notre avis. À savoir, donc le nuage de mots, tout le monde voit ce que c'est. Marc, je ne sais pas si tu... Si, oui, bien sûr. Hein. Donc on proposait 5-6 mots à tout le monde et surprise, il y a un terme qui est manifestement ressorti avant tous les autres, à savoir le mot dépendance. En gros, on peut dire que pour la plupart des gens inscrits à ce MOOC, addiction est en lien avec dépendance. Mais deuxième surprise, je vais vous en citer quelques-uns, tous à peu près, voilà, utilisés une ou deux fois. Toxique, incontrôlable, faiblesse, plaisir, soumission, souffrance, solitude, manie, enfermement, style de vie, mal-être, excès, etc. Alors, voilà, il s'agit de dépendance, c'est manifestement pas suffisant de dire dépendance d'ailleurs. Et puis sinon, eh bien, les avis sont très très partagés, hein, et ça nous montre que c'est une question complexe et que... On a bien fait d'inviter les deux personnes qui sont là, que je présente tout de suite. Donc Marc Valeur est psychiatre, chef de service du centre Marmottan à Paris. Il s'est spécialisé depuis longtemps dans les toxicomanies, mais aussi dans le jeu pathologique. Il a écrit d'assez nombreux ouvrages, je vais juste en citer deux. Qui sont directement en lien avec ce qui nous amène ici. Alors, tous les deux avec Jean-Claude Matissiac. Le premier, ce sont les pathologies de l'excès. Et le second, les addictions, panorama clinique, modèle explicatif, débat social et prise en charge. Jean-Luc Vénis est professeur au CHU, en psychiatrie au CHU de Nantes, fondateur du service d'addictologie du CHU et de l'Institut fédératif des addictions comportementales. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages sur les addictions comportementales. Ces préalables étant faits, je vais commencer les questions. Peut-être une première question à Marc Valeur. Pourriez-vous nous faire un historique assez rapide quand même de la notion d'addiction et puis pour compliquer un peu les choses, éventuellement nous donner une petite définition personnelle du terme? Oui, c'est un peu compliqué. C'est résumer l'histoire de l'humanité en quelques secondes. Quelques minutes. Peut-être d'abord commencer par la définition quand même. Je pense que ce n'est pas par hasard si le mot dépendance est ressorti avec autant de prégnance. Bien sûr, l'addiction, c'est une dépendance. Mais pour le clinicien, c'est une dépendance qui est devenue insupportable pour une personne et à laquelle cette personne voudrait réussir à mettre fin sans y parvenir. Ce qui définit l'addiction, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. La dépendance en soi peut être quelque chose de tout à fait normal. On est tous dépendants de quantité de choses, y compris d'objets technologiques, comme tout le monde le sait. L'addiction, c'est une dépendance qui devient tellement problématique que la personne elle-même voudrait y mettre fin. Il y a d'autres définitions de l'addiction, et l'addictologie recouvre un champ plus vaste que le simple traitement de cette addiction maladie. Il y a toute la question des usages nocifs, des abus, et on sait bien qu'en matière de drogue, en matière d'alcool, les dégâts pour la société ne sont pas dus en priorité à la maladie addictive, ils sont dus aux abus, aux usages nocifs, c'est les accidents de la route, c'est les violences, c'est toutes ces choses-là. Et il y a un sens encore plus vaste qui serait l'addiction au sens de l'addictologie, c'est-à-dire l'ensemble de la prise en compte, de l'interaction entre l'humanité et
un objet de consommation ou une conduite, y compris les aspects positifs. C'est-à-dire qu'il faudrait rajouter à la maladie, aux usages nocifs, les aspects positifs qu'apporte un objet à la société, par exemple l'alcool avec son côté convivial, festif. Voilà. Donc la définition est déjà complexe. On parle, quand on parle d'addiction avec Jean-Luc Vénis, c'est d'addiction clinique au sens d'un sujet qui voudrait arrêter quelque chose. Quand est-ce que ça commence? Là aussi, l'histoire des addictions, ça pourrait être une discipline universitaire à elle toute seule. L'histoire des objets d'addiction est aussi ancienne que l'humanité, bien évidemment. L'histoire des addictions pourrait commencer à partir du moment où on en fait une maladie, où on dit que ce type de dépendance est une maladie qui doit être traitée par les médecins, qui n'est plus un problème moral, qui n'est pas un problème pour les prêtres, qui est une maladie qu'il faut traiter à l'intérieur du monde médical. Longtemps, on a pensé que ça remontait à 1784, avec le traité de Benjamin Rush sur l'effet des spiritueux sur le corps et l'âme. C'est une très belle date, parce que c'est les débuts de la démocratie. C'est Benjamin Rush est un père fondateur de l'Amérique, qui a signé la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui dit que tous les hommes sont créés libres et égaux. Et on peut penser que l'addiction devient une maladie au moment où, dans le monde, l'individu doit être quelqu'un de libre et d'autonome. C'est les débuts du libéralisme et de l'autonomie qui font que l'addiction devient une maladie. On remet aujourd'hui ces débuts en question avec un texte de la Renaissance sur le traitement du jeu pathologique qui remonte à 1561 et qui contient beaucoup de propositions très actuelles sur la dépendance au jeu d'argent. Donc on est devant une problématique qui médicalement est une problématique très ancienne, mais Jean-Luc a sûrement des choses à ajouter sur le sujet. Oui, enfin, tu résumes très bien une question extrêmement complexe, hein, et c'est vrai que la question de l'appropriation médicale de sujets qui étaient autrefois traités du côté de la morale ou de la religion est important à souligner, parce qu'il pose aussi assez vite la question de la norme et de la maladie, qui est une question extrêmement complexe, et on a un peu trop vite tendance souvent à prendre pour des réalités tout à fait objectives des questions qui sont en évolution permanente. Moi, j'ai toujours en tête la thèse de Georges Canguilhem sur le normal et le pathologique, philosophe et médecin, hein, et thèse de médecine, où il souligne à quel point, effectivement, on ne peut jamais réduire la norme à des critères objectivement décrits d'un point de vue scientifique. Et quand on parle de toutes ces définitions et ces questions, il ne faut jamais oublier ça, hein. Il a une manière, de parler de polarité dynamique de la maladie qui la resitue dans une trajectoire d'existence et qui fait que, finalement, c'est seulement pour un individu donné, à un moment donné, que la question de la pathologie peut prendre sens, et dans la relation qu'on a avec lui. Alors, il est vrai qu'on a aussi besoin de normes, notamment pour faire de la recherche en médecine, et que beaucoup des critères qui nous sont régulièrement définis sont des critères utiles pour la recherche. Il faut toujours essayer de faire la part des choses, et je crois que c'est quelque chose qui doit rester ouvert de ce point de vue-là, qui est très très important. Il me semble que le terme maladie porte quand même quelquefois à confusion, puisqu'on a en tête la maladie physique, ou la maladie contagieuse, ou voilà. Est-ce que c'est pas plutôt il y a donc des comportements dont on ne sait plus se passer. Est-ce que c'est pas plutôt, enfin, ou aussi, d'abord, je ne sais pas, du point de vue psychique, quand il y a de la souffrance que de la maladie? Oui, il n'y a pas de maladie sans souffrance et sans demande de soins. Oui. Une des remarques de Canguilhem est que si on définit de manière trop objective la maladie, on va arriver à des maladies sans malade. Or, c'est quand même le sentiment subjectif d'aller mal et le fait de demander de l'aide à un médecin qui fait qu'il y a une maladie socialement. La question que vous posez est valable pour tout le champ de ce qu'on appelle les maladies
maladie mentale, d'une manière générale. Il faut se rappeler qu'au début des années 70, Thomas Zass, un psychiatre nord-américain, disait que la maladie mentale est une métaphore de maladie physique. Et dans un deuxième livre, il rajoutait « Et la toxicomanie est une métaphore de maladie mentale ». On est donc devant ce qui pourrait être une métaphore au carré de maladie physique. Mais définir ce qu'est une maladie physique, c'est déjà quelque chose de très compliqué. On a un problème particulier avec la souffrance, qui effectivement est bien sûr quelque chose d'essentiel. On a un problème particulier avec ce qu'on appelle, nous, les mécanismes de déni, c'est-à-dire qui sont des mécanismes de défense qui sont très actifs, souvent, dans le fonctionnement addictif, et qui contribuent à une méconnaissance du sujet, de la réalité de sa conduite et de ses conséquences. Si bien que la souffrance, elle est fondamentale, mais c'est parfois autant la souffrance de l'entourage que celle du sujet lui-même. Et il va falloir tout un temps de prise de conscience pour qu'il arrive à prendre en compte la réalité de ce qui se passe. On a eu dans des témoignages, je pense, témoignages notamment d'une Sylvie sur le forum, qui raconte très bien cela, et en disant même qu'elle a fini par prendre conscience de sa difficulté, de son problème, à travers le problème de son compagnon, parce que c'était plus facile pour elle de le voir chez lui que chez elle. Et là, on a quelque chose qui, évidemment, complique un petit peu la question de la souffrance, en termes de souffrance perçue, acceptée, parce qu'il y a ces mécanismes de défense très puissants. C'est pour ça que la notion de dommage, qui est un peu différente, conséquences négatives qui ne sont pas forcément, au moins au début, perçues par l'intéressé lui-même, est une notion très importante dans la définition et dans la construction du repérage de la problématique addictive. Bon, donc on a là quelques repères assez clairs sur la notion d'addiction. Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait peut-être distinguer ou différencier, ou y a-t-il une différence entre une addiction, on va dire, aux drogues et une addiction comportementale, à votre avis ? Oui. Pendant très longtemps, je dirais qu'on a été extrêmement focalisé sur la question des produits et de fait, on parlait de toxicomanie plutôt que d'addiction. Et c'est vrai que c'est une époque pas très lointaine, c'est le moins qu'on puisse dire, où c'était finalement très très commode de mettre sur le dos du toxicomane, bouc émissaire quasi idéal, toutes ces problématiques qui nous concernent pourtant tous. Donc il a fallu un dégagement des produits, un dégagement de ce qu'on a appelé l'approche par produit pour aller vers une approche par comportement, pour qu'on sorte de cette fascination, focalisation sur le produit et sur aussi, en fait, une forme de dépendance majeure. On aura l'occasion de revenir sûrement sur la question du terme de dépendance et de ce qu'il inclut de compliqué dans ces définitions. Mais ce qui est très nouveau et très important, c'est que on a pu depuis, on va dire, une vingtaine d'années, ou un peu moins même, avoir une validation scientifique de la notion d'addiction sans drogue. Autrement dit, montrer que non seulement il y avait des parentés cliniques, ce qu'on savait depuis longtemps, non seulement il y avait des parentés en termes de facteurs de risque et de prédisposition, ce qu'on pouvait aussi savoir depuis assez longtemps, non seulement il y avait des parentés au niveau psychopathologique, on y reviendra sans doute, les fonctions que ces conduites peuvent tenir pour un individu donné à un moment donné, mais il y avait en plus un substratum neurobiologique, donc tout un tas de circuits cérébraux et neurobiologiques qui étaient du même ordre. Et ça, je veux dire que on vit dans un monde où tant qu'on n'a pas une reconnaissance neurobiologique des choses, il se trouve qu'en matière de recherche neurobiologique, les modèles sont animaux. Et le modèle animal de l'addiction comportementale, il est compliqué à construire. Donc c'est vrai qu'il a fallu cette parenté avec l'imagerie fonctionnelle, avec des outils maintenant qui sont très très performants, pour valider cette transversalité de l'addiction avec ou sans drogue. Et ça change complètement de paradigme, parce que finalement les addictions à des substances sont une modalité parmi d'autres d'addiction. Oui, je crois qu'il faut regarder maintenant les choses d'une manière large et revenir à une vision qui est une vision tout à fait classique, dans laquelle il y a des addictions qui sont des passions, des habitudes invétérées dont on ne peut pas se déprendre, dans lesquelles les addictions avec drogue sont un sous-groupe particulier. Alors c'est vrai que ce sous-groupe particulier rajoute une dimension d'intoxication qui peut être extrêmement importante au niveau de la santé. C'est ce qui a amené à des termes comme alcoolisme, les termes en isme qui sont des termes qui désignent l'intoxication de l'organisme par une substance comme le botulisme, le saturnisme, etc. Et bien évidemment, cette intoxication est
à prendre en compte, mais tout à fait importante pour des produits comme l'alcool, comme le tabac, on connaît les dégâts que ça fait. Et bien évidemment, dans les addictions sans substance, la dimension d'intoxication est beaucoup moins présente. Donc il faut bien avoir ça en tête, il ne faut pas mettre tout sur le même plan. Mais quand on parle de drogue, il faut bien savoir qu'on parle d'un mythe. Si on essaye de classer les drogues en fonction de leur dangerosité, on va toujours se trouver avec en premier des produits comme l'alcool ou le tabac qui ne sont pas traditionnellement considérés comme des drogues. Et on peut se demander si la mise en avant de la toxicomanie, la mise en avant des drogues, le fait de refuser l'idée qu'il puisse y avoir des addictions comportementales, n'est pas pour la société une manière de maintenir cette ligne imagino-fantasmatique entre d'un côté ce qui est drogue et de l'autre côté tout le reste, qui serait des bons objets de consommation. D'un côté, c'est tabou, il ne faut pas y toucher. De l'autre, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut consommer sans modération, il n'y a aucun problème. Or, on sait bien qu'on peut être addict avec de la nourriture. Jean-Luc V. C'est un spécialiste des troubles des conduites alimentaires. Il rangera très facilement dans les addictions au moins certaines formes de boulimie. Or, personne ne va dire que les aliments sont des drogues. On parlait aussi d'intoxication. Qu'est-ce qui permet de différencier une intoxication à l'alcool d'une personne qui va présenter une addiction à l'alcool ? Je pense que la dimension subjective est absolument fondamental. On a longtemps, en France, connu des formes d'alcoolisme, d'intoxication à l'alcool, chronique, très lente, qui ne se reconnaissaient pas comme malades alcooliques, qui étaient toutes surprises quand le médecin leur disait « vous avez une cirrhose du foie, c'est extrêmement grave et c'est dû à l'alcool ». Et ils disaient « mais je bois comme tout le monde, j'ai toujours fait comme tout le monde, etc. » Donc on ne peut pas considérer dans leur cas qu'il y avait subjectivement une réelle addiction. Il n'y avait pas une conduite qu'ils voulaient arrêter, qu'ils voulaient cesser, qu'ils n'arrivaient pas à arrêter. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux, quand le médecin leur disait « mais c'est grave, vous avez une cirrhose », ben ils arrêtaient de boire parce que ils ne s'étaient jamais posé la question. Mais l'intoxication avait fait son temps. On a connu ça avec le tabac pendant longtemps, en partie grâce aux efforts de l'industrie du tabac, le lien entre les pathologies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et le tabac n'était pas fait, les gens fumaient et les gens mouraient de cancer, meurent toujours de cancer et de maladies cardiovasculaires. Maintenant on sait qu'il y a un lien extrêmement fort avec l'usage de tabac, ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai que ça pose la question de la différence entre l'usage excessif et l'addiction. Hein. Et c'est vrai que si, je dirais par définition, l'addiction est un usage excessif, va poser des problèmes, tout usage excessif n'est pas addiction. Hein. Sauf à considérer que l'excès ne fait plus partie de la condition humaine. Et là, effectivement, c'est un risque majeur qu'il faut souligner, un risque de terrorisme. On vit dans une société nord-américaine qui est marquée d'hygiénisme, et on sait aussi, comme le rappelait Marc à propos du tabac, qu'il y a des enjeux économiques et pharmaco-économiques à élargir sans limite parfois le champ de la pathologie. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il y a un risque de pathologisation de l'existence, et quand on parle d'addiction et qu'on élargit effectivement la problématique au-delà des drogues, il faut en même temps toujours, je crois, avoir en tête que l'excès n'est pas en soi une pathologie. Heureusement qu'on peut avoir des conduites d'excès dans le cadre d'une vie humaine. Oui, mais alors justement, je pense que ça va être important dans l'analyse des usages du numérique, où peut-on éventuellement poser une frontière entre l'usage excessif et l'usage addictif ? Marc l'a déjà un peu dit en parlant effectivement très très clairement de cette perte de contrôle, de la perte de la liberté de s'abstenir, c'est un point fondamental, la persistance de la conduite malgré ses conséquences négatives, en sachant qu'elles ne sont pas toujours perçues tout de suite. Moi j'ajouterais un élément de plus, c'est l'organisation dans le temps de cette conduite qui va, à travers une répétition qui devient de plus en plus inlassable, de plus en plus univoque, automatisée, drainée, tous les investissements du sujet, c'est ce qu'on appelait la centration de façon très très classique, et une espèce de mécanique qui s'organise et qui s'auto-entretient. On peut parler de processus,
Et là, je crois qu'effectivement, le sujet, quelle que soit sa volonté de s'en sortir, est souvent dans l'incapacité de le faire. Il faut être très prudent, parce qu'on sait aussi qu'il y a des guérisons ou des sorties spontanées de processus addictifs très bien installés, ce qui montre bien que tout ne se joue pas dans le cerveau et dans la neurobiologie, comme on voudrait nous le dire parfois, hein, qu'il y a beaucoup de facteurs personnels et d'événements de vie, par exemple, qui peuvent jouer un rôle fondamental, mais quand même. Mais alors, justement, est-ce que l'addiction, c'est un processus qui est plutôt biologique, lié à des substances, ou il s'agit plutôt de quelque chose de psychologique ? Là aussi, je crois qu'on est devant une question extrêmement vaste et qui, ultimement, pose la question de notre épistémée commune, cette relation entre le corps et l'âme. On est moniste, spinoziste, on dira que l'étendue et la pensée ne sont que deux attributs d'une même substance et que on ne comprendrait pas pourquoi une modification de l'âme n'irait pas systématiquement dans les deux choses vont ensemble, où on est presque obligé de séparer d'un côté ce qui relève de la culture, de l'autre ce qui relève de la nature, et de faire comme si âme et corps étaient vraiment deux entités complètement distinctes, cartésiens, où l'âme était reliée au corps par l'épiphyse. Donc moi je pense qu'on ne peut pas imaginer un mouvement de pensée à un mouvement cérébral. On ne peut pas imaginer non plus des modifications cérébrales qui ne se traduisent pas par des modifications du cours de la pensée, des cognitions, etc. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que l'addiction correspond systématiquement à une modification durable, irréversible des circuits cérébraux. C'est la position d'un certain nombre de neurophysiologiques. Je pense pour ma part que c'est une hypothèse, que cette hypothèse n'est pas démontrée, et personne sur la planète actuellement ne dispose d'un marqueur biologique d'une addiction, même de l'héroïnomanie, de la cocaïnomanie, de l'alcoolisme, etc. On a des marqueurs d'intoxication, on n'a pas un marqueur biologique de l'addiction. Et je pense que toutes les recherches qui ont été faites autour de l'addiction, sur les endorphines, sur la dopamine, sur la sérotonine, etc., sont tout à fait passionnantes, mais au lieu de nous apprendre une clé magique qui définirait l'addiction, elles nous aident de plus en plus à comprendre des processus qui sont des questions éternelles pour l'humanité. C'est quoi une passion? C'est quoi une habitude invétérée? C'est quoi une dépendance? Mais ça, ça ne concerne pas que l'addiction maladie. Tous nos comportements les plus élaborés, et qui font en particulier appel à des questions de décision et de choix, mettent forcément en jeu à la fois des éléments psychologiques et biologiques. Il ne peut pas en être autrement. Là où effectivement on constate quand même assez souvent un réductionnisme assez terrifiant, c'est quand on prend d'une certaine manière l'empreinte cérébrale d'un comportement pour sa cause. Et c'est vrai qu'il y a tout un courant qui actuellement va dans ce sens. L'American Society of Addiction Medicine en fait partie, avec Nora Volkoff, notre collègue new-yorkaise, qui est sur cette ligne. Et c'est vrai que ça a des impacts vraiment assez importants. Hein. Et en même temps, il faut dire quand même aussi qu'il arrive qu'on méconnaisse à l'inverse la dimension neurobiologique d'une conduite, et en quoi cette dimension neurobiologique, qui va, comme l'a dit Marc, et ça a pu être vérifié sur des travaux expérimentaux et en imagerie fonctionnelle notamment, qui va jusqu'à remodeler les circuits synaptiques cérébraux, si on méconnaît cette réalité-là et en quoi elle joue comme facteur d'entretien d'une conduite qui ensuite ne peut que s'auto-renforcer, on va vers des impasses thérapeutiques. Donc c'est comment à la fois accepter cet intermédiaire et ne pas en faire effectivement un facteur causal, et réintroduire cette question du sens qui est si chère à Marc, et les approches de sens qui vont permettre aussi de mesurer que à un moment donné, une conduite qui s'installe et qui n'était pas là avant, je dirais qu'il y a aussi la notion d'un changement hein, dans une trajectoire, vient aussi répondre à des enjeux psychologiques, environnementaux, contextuels, familiaux, etc., qui sont très importants à travailler avec celui qui se trouve enfermé dans cette conduite. Oui, il y a aussi, je repense à la fameuse définition de Claude Lievenstein, hein, quand même, il y a la dimension du contexte. Hein, qui joue beaucoup, j'imagine que vous êtes bien d'accord là-dessus. Bien évidemment, à la fois au niveau de la place de l'objet dans la société, de la place du sujet dans son environnement, du fait qu'une personne va
traversé des moments de vulnérabilité, ce qui fait que le moment de la rencontre entre le produit, la personne et le moment socioculturel est extrêmement important. C'est la notion de rencontre aussi qui est tout à fait importante. Sur la question de la biologie, on peut rappeler par exemple qu'il y a une grande parenté entre la dépression et le deuil. Personne ne penserait qu'un deuil va sans modification biologique, cérébrale, etc. Mais elles sont réversibles. On admet qu'au bout d'un certain temps, les choses reviennent dans l'ordre. Il en est de même pour quantité de phénomènes. Alors, Marc ne définit pas le schéma trivarié qui vraiment est très associé pourtant à lui et qui effectivement pose la place respective de facteurs qui sont liés à l'objet d'addiction, qui peut être un produit, mais pas seulement, des facteurs qui sont liés donc au sujet, à sa personnalité, et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi bien des données, des prédispositions biologiques, voire génétiques, hein, il ne faut pas évidemment exclure celle-là, ça veut dire aussi des facteurs des traits de personnalité, mais des facteurs de développement, c'est-à-dire la manière dont le développement psychoaffectif a permis que ce sujet-là se construise d'une certaine manière, et on a notamment en tête les questions de sécurité et de confiance personnelle qui sont très très importantes, les modalités d'attachement aux personnes significatives de l'entourage, autant de choses qui évidemment vont avoir un impact sur nos liens de dépendance en général. Et c'est vrai que les questions de dépendance dont on parle, qui ont été mises en tête du nuage de mots, ce sont des questions qui nous renvoient fondamentalement à notre dépendance psychologique première, initiale, à ce qu'on appelle en psychanalyse les objets primaires parentaux, c'est-à-dire ceux dont on est totalement dépendant au début. Et la question du développement psychoaffectif, c'est peut-être avant tout de pouvoir trouver à aménager ces liens de dépendance primaires pour qu'ils soient vivables. Et vivables, ça veut dire qu'ils puissent aussi supporter les questions d'éloignement, de séparation, de perte, de deuil. C'est ce que, notamment à travers l'intériorisation de l'objet, d'un point de vue psychanalytique, qui permet de supporter son absence, son éloignement. Oui, sous un angle plus sociologique, on pourrait rappeler aussi, mais je pense que ça sera fait dans des sessions ultérieures, qu'on est dans une société qui tend, chez nous, et en Amérique du Nord particulièrement, à valoriser l'autonomie et la consommation des individus. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où chaque individu pourrait être défini comme une petite entreprise dont le but est de consommer le plus possible, mais dont on attend qu'elle soit en mesure de faire son propre budget, de fixer ses propres limites, tout en étant bombardée par des injonctions à jouir sans entrave, consommer tout de suite, payer plus tard, accepter le crédit, etc. Autrement dit, on est dans un monde qui nous pousse à devenir addict et qui attend que par notre responsabilité, notre volonté, notre confiance en nous-mêmes, nous mettions les limites. Et ce qui est en train de se passer probablement, c'est que dans ce monde de surconsommation, l'addiction vient comme une des limites à cette idée que la consommation d'un certain nombre d'objets serait l'équivalent du bonheur. C'est le moment où les personnes commencent à dire « je voudrais arrêter de consommer parce que c'était un plaisir, c'est devenu une souffrance et je n'arrive plus à m'arrêter » qu'on touche à une limite de cette société de consommation. C'est vrai que les enjeux commerciaux pèsent d'un poids contextuel fabuleux, incroyable. Et c'est vrai que l'honnête homme du 21e siècle, c'est celui qui arriverait à faire face à cette contradiction interne. Et je crois qu'on est obligé de dire que les capacités d'autorégulation, parce qu'il s'agit bien de ça, de nos comportements, sont à la fois très variables d'un individu à l'autre, pour de multiples raisons qu'on a un peu ébauchées, et aussi même pour un individu, il n'y a qu'à réfléchir à sa propre expérience, en fonction d'un certain nombre de circonstances et de difficultés de la vie qui vont nous fragiliser. Donc à partir de là, effectivement, comment tenir cette crête qui, par rapport à des sollicitations sur nos écrans de téléphone portable incessantes, nous amène à contrôler toutes ces offres, toutes ces sollicitations pour ne pas être entraîné ça se joue à un clic, vers effectivement un débordement. Alors toujours dans la même veine, si on parle toujours d'addiction au sens clinique, donc de patient, est-ce que l'addiction peut se développer chez tout le monde? C'est la société qui nous amène et
tout sujet peut se retrouver dans une situation addictive où cela nécessite un terreau propice, des facteurs prédisposants, des événements qui se sont produits. Et oui, la rencontre d'un produit, d'une personnalité, d'un moment socioculturel, c'est une rencontre qui se produit aussi à un moment particulier dans la trajectoire d'une personne. C'est-à-dire qu'on peut penser que certaines personnes sont plus prédisposées que d'autres à certains types d'addictions. C'est la classification classique en matière de jeux pathologiques entre des joueurs excessifs qui sont des impulsifs, qui sont plus des hommes, plus des jeunes, qui ont du mal à résister, à supporter les frustrations, qui ont du mal à différer la satisfaction, qui adorent la transgression, qui adorent la prise de risque, et ceux-là vont être attirés par des conduites risquées et vont tomber dans un certain type d'addiction. De l'autre côté, on va avoir des addicts par automédication, des personnes qui sont déprimées, anxieuses, qui ont vécu des traumatismes et qui vont se réfugier dans la répétition d'une conduite routinière pour oublier ce qui se passe. Et dans le cas du jeu, on voit un certain nombre de personnes s'abrutir devant des machines à sous et en même temps, magiquement, faire une prière en espérant que les choses vont s'arranger, que les malheurs qui les ont frappés vont être compensés par un sort favorable. Et il y a un certain nombre de personnes qui deviendraient addictes par simple habitude. C'est le cas de l'alcoolisme traditionnel à la française, de ces gens qui se découvraient malades après le diagnostic de cirrhose, parce qu'ils n'avaient jamais fait que comme tout le monde. Parmi eux, un certain nombre veulent arrêter l'alcool, ont du mal à l'arrêter. À ce moment-là, on peut parler d'addiction et d'une addiction qui a été induite par le contexte culturel, par l'environnement. Alors il y a une de nos collègues suisses, Daniel Zulino, qui a proposé une métaphore qui est celle de l'ornière, hein, qui compare le processus finalement à une carriole qui roule sur un chemin. Le chemin, c'est le terrain, la vulnérabilité éventuelle plus ou moins grande du sujet. La carriole, c'est le pouvoir addictif de l'objet, et en particulier le poids de la carriole, c'est ça. Et puis les passages répétés sur la route, c'est le nombre de passages, de prises, d'usages. Il est bien évident que plus le chemin est dur et résistant, moins il sera affecté par des passages répétés. Mais même mais inversement, si le chemin est dévasté par des orages, par la pluie, les ornières vont se faire très vite. Et on voit une multitude de situations cliniques dans lesquelles la part respective des différents facteurs personnels liés à l'objet ou liés au contexte est très variable. On voit par exemple dans le milieu du travail ou dans le milieu sportif des situations où la pression de l'environnement, les exigences de l'environnement sont telles que même un sujet très peu vulnérable va être obligé, dans le sport de haut niveau, c'est une évidence, qu'il n'y a pas besoin d'être très vulnérable pour être totalement entraîné vers des conduites addictives, non seulement en termes de dopage chimique, mais aussi de surentraînement. Et puis, à l'inverse, eh bien, on va s'apercevoir que des sujets très vulnérables ont besoin de très peu de facteurs d'environnement ou d'objets très peu addictifs, parce qu'on n'a pas insisté sur ce que c'est que l'addictivité de l'objet, mais c'est souvent une intensité d'effet et une temporalité d'effet très courte qui sont valables aussi bien pour les produits que par exemple pour le jeu. On voit des joueurs aux machines à sous, comme l'a dit Marc, ou au rapido. On n'a jamais vu de joueurs pathologiques venir nous consulter parce qu'ils jouaient à Euromillions. Les loteries périodiques n'ont pas ces caractéristiques, et on pourrait décliner ça dans plein d'autres domaines. Oui. Tout à l'heure, vous faisiez allusion aux prises de risque. Hein. Effectivement, il y a même des gens qui, vous l'aviez démontré brillamment il y a longtemps, qui jouent leur vie dans des conduites ordaliques. Il y a, semble-t-il, aussi une dimension importante de jouissance, je dirais, de plaisir. Vous avez évoqué le mot passion, hein, je crois que c'est justement dans Destin du plaisir, je crois, hein, que Pierre Aulagnier parlait d'une passion asymétrique, dans le sens où, effectivement, hein, où ça me fait penser aussi à Jacques Higelin, hein, une fille au cœur d'acier qui va vous faire flipper.
C'est-à-dire, voilà, une espèce de passion sans limite. Donc il y a aussi du plaisir, de la jouissance. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a de positif dans l'addiction ? Y a-t-il quelque chose aussi de positif ? Pas une question facile, je pense, mais... C'est une question facile. En général, les gens ne s'accrochent pas systématiquement à quelque chose qui est tout à fait désagréable, douloureux et terrifiant. Il y a quelques masochismes, enfin, c'est pas la règle. Si les gens aiment l'héroïne, la cocaïne, le crack, c'est parce que au début, ça procure du plaisir, parce que c'est positif, parce que ça supprime la souffrance, parce que ça fait planer, parce que c'est extrêmement positif. Il y a des descriptions. Il faut penser simplement à De Quincey qui parle de l'opium. Des descriptions de la relation à une drogue qui ressemble tout à fait au début d'une relation amoureuse passionnelle. C'est le subtil et divin opium qui est enfin le bonheur qu'on pourra mettre dans la poche de son gousset et se faire envoyer par la diligence. Mais ce qui va définir l'addiction, c'est le fait que le côté positif, ce plaisir du début, va peu à peu s'estomper et que la relation qui était une relation choisie, on pourrait dire décidée, impulsive, mais décidée, devient une relation obligée. Et c'est là que Pierre Aoulanié dira une relation passionnelle dissymétrique devient une relation de souffrance parce que c'est une relation obligée dans laquelle le sujet est transformé en objet par l'autre qui est placé en position de toute puissance. C'est vrai que si c'est devenu un argument publicitaire, c'est sans doute que ça vient illustrer quelque chose qui est très, très fort en termes d'adhésion, en termes de passion, effectivement, et je souscris tout à fait à ce que vient de dire Marc. Une autre dimension positive, c'est effectivement la fonction de la conduite, hein, et même si elle s'épuise au fil du temps, elle est quand même très importante, et dans l'abord thérapeutique de ces sujets addicts, c'est quelque chose que nous utilisons beaucoup, vous le savez Philippe, parce oui. qu'effectivement, même si ça ne fonctionne plus, c'est resté comme quelque chose qui a valeur de solution pour eux, que ce soit du côté effectivement de l'anesthésie, de l'oubli, le comble étant sans doute le binge drinking qui conduit par exemple à un coma assez rapide, mais d'autres exemples existent, que ce soit du côté de la recherche de sensations fortes, de stimulation pour vérifier son existence quand on a du mal à le vérifier autrement. Et dans cette ligne-là, il y a aussi la fonction de démarcation, notamment chez les plus jeunes, par rapport à un entourage dont ils se sentent, pour des raisons de développement psycho-affectif difficile, dont ils se sentent totalement dépendants. Et quand effectivement un jeune a l'impression qu'on lui bouffe la tête, son entourage lui bouffe la tête, et il va aller s'accrocher à une conduite en espérant que celle-ci le libère de cette dépendance ressentie. Et le comble, évidemment, c'est que ça va devenir un piège plus redoutable encore que le premier. Mais néanmoins, cette fonction-là, elle est utile à garder en tête et à travailler avec ces jeunes. Oui, je vais faire une remarque aussi sur le lien que vous faites entre la passion et le côté positif. C'est quelque chose qui devrait d'ailleurs se discuter. On a aujourd'hui dans notre monde comme modèle de ce qui est bon et désirable des grandes histoires passionnelles et fatales. C'est Roméo et Juliette, c'est Tristan et Iseult, c'est Didon et Énée, que sais-je. Toutes ces légendes, toutes ces histoires, tous ces mythes qui racontent des passions telles qu'elles conduisent à la mort. Et il faut se souvenir que très longtemps, ces histoires avaient une vertu pédagogique et que pour les anciens, jusqu'à une période assez récente, la passion était une pathologie. Et il est probable que les premiers médecins qui ont parlé d'une conduite en termes qui seraient aujourd'hui des termes d'addiction, parlaient de la passion amoureuse. Quand Pascasius fait son traité sur le jeu, il dit « Je m'étonne d'être le premier à parler de ce fléau qui frappe la jeunesse d'une manière importante, le jeu d'argent, alors que nombre d'auteurs connus ont déjà traité de la passion amoureuse dont tout le monde sait que c'est une maladie terrible. Alors on est aujourd'hui dans un monde où, bien évidemment, c'est le contraire. La passion amoureuse, c'est considéré comme le top de l'existence, mais c'est peut-être un peu paradoxal. C'est-à-dire que le sommet de la liberté, c'est de tomber
amoureux fou, esclave de quelqu'un qu'on n'a pas choisi, parce qu'il ne faut pas que ce soit décidé, il ne faut pas que ce soit calculé, il ne faut pas que ce soit conforme à des règles. Donc le sommet de la liberté, c'est de devenir par hasard esclave de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Deux figures, on n'a pas cité Freud encore, deux citations de Freud qui finalement vont un peu dans ce sens. Une lettre à Karl Abraham où il définit effectivement toutes les boissons enivrantes, je crois les alcoolides excitants, comme des substituts de la toxine unique qui reste à rechercher, que produit l'ivresse de l'amour. Et puis, quelques années avant, et là ça nous situe dans un autre registre mais c'est important aussi, la lettre à Fleiss, j'en suis venu à croire que la seule vraie habitude, le besoin primitif est la masturbation, dont les consommations d'alcool, de morphine et de tabac ne sont que le substitut, un produit par déplacement. Deux citations freudiennes qui pourtant n'a pas été très prolixe sur le sujet tant il était concerné personnellement. Alors, on parle de substances, d'opium, d'héroïne, d'alcool, de jeux de hasard et d'argent, beaucoup de conduites avec des substances, des produits. Qu'est-ce qu'il en est du numérique, hein? Est-ce que la plupart des addictions existent en dehors du numérique? Et est-ce que le numérique contribue à ces processus addictifs ou peut au contraire aider à les dépasser? Oui, les deux, probablement. Le numérique, c'est vaste et c'est un pharmacone à plusieurs faces qui apporte probablement beaucoup plus de bienfaits que de nuisances, mais enfin, qui doit être discuté. Et si on veut faire du buzz sur Internet, il faut lancer un débat sur est-ce que l'addiction aux jeux vidéo existe, est-ce qu'elle est réelle ou pas. Alors là, on va avoir les pour, les contre, tout le monde va se taper dessus, ça va être absolument terrible. On va avoir les manifestations de joueurs et les manifestations de parents de l'autre côté. Il y a deux études qui sont d'ailleurs assez contradictoires. Il y a un rapport de l'Académie de médecine qui est plutôt rassurant, presque lénifiant, qui dit qu'il vaut mieux ne pas parler d'addiction pour ce qui concerne les jeux en réseau, Internet, etc. Peut-être y a-t-il des usages abusifs, mais il ne faut pas parler d'addiction. Et il y a un rapport récent publié par l'OFDT après une enquête auprès de 2000 collégiens et lycéens et qui lui donne des chiffres plutôt alarmants. On est jusqu'à 10% d'usage très problématique, voire d'addiction aux jeux en réseau ou à Internet. Alors, il faut critiquer les deux, à mon avis. Il faut critiquer le fait qu'on n'aurait pas le droit de parler d'addiction aux jeux en réseau parce que ça serait diaboliser les jeux vidéo. À mon avis, c'est une bêtise. Il y a des addictions aux aliments. On ne va pas diaboliser les aliments. Donc, ce n'est pas parce qu'une chose pourrait, dans certains cas, devenir addiction que ce serait une mauvaise chose. Et de l'autre, il faut critiquer l'étude qui porte sur des 14-16 ans, parce qu'à 14 ou 16 ans, bien évidemment, on n'est pas en mesure de se contrôler. Et si on fait la même étude sur le jeu d'argent, on aura les mêmes taux, les mêmes pourcentages. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les critères, aussi objectifs qu'ils soient, des études épidémiologiques ne correspondent pas à une réalité clinique d'addiction le plus souvent. Les adolescents traversent des périodes où ils répondent à tous les critères objectifs de l'addiction et l'immense majorité d'entre eux sort de cette période en contrôlant ses conduites, en ayant compris qu'il risquait de se brûler les ailes et en contrôlant mieux les choses et arrêtent et ne deviennent pas des addicts. C'est très important ce que vient de dire Marc, mais quand on parle effectivement d'impact du numérique, peut-être qu'il faut différencier deux choses. Ce qui peut être éventuellement conduite excessive et voire addictive à des objets numériques eux-mêmes, comme le jeu vidéo en est un, et puis ce qui est facilitation par ce média particulier qu'est l'Internet d'addiction déjà existante en dehors de lui. Et on sait bien que, effectivement, l'objet numérique, pour des sujets fragiles et parfois déjà en train de constituer une addiction, va être un facilitateur, pour la raison que l'offre, comme on le disait tout à l'heure, est considérablement augmentée, et pour des raisons aussi de modalité d'usage qui vont être plus faciles. Alors c'est l'accessibilité 24 heures sur 24, c'est le confort, c'est l'anonymat. Enfin, notre collègue Mark Griffiths de Nottingham a beaucoup travaillé sur ces questions et depuis longtemps. Et on sait bien que effectivement, par rapport aux conduites de jeux pathologiques par exemple, il y a des augmentations de prévalence qui semblent liées au fait que ces pratiques soient désormais possibles de façon très importante
à travers le numérique. On va retrouver ça avec les achats pathologiques, l'addiction sexuelle dont on sait et dont on constate que les demandes de soins et d'aide augmentent de façon importante actuellement. Et puis alors, de l'autre côté, il faut quand même souligner, alors les substances aussi, les drogues de synthèse se multiplient, une nouvelle par mois repérée en France actuellement, une par semaine en Europe, 1000 sites dédiés à l'achat de ces drogues de synthèse, qui sont surtout des cannabinoïdes ou des catinones en général, mais il y a différents types de molécules. Donc c'est vrai que ça constitue un appel et une possibilité extrêmement simple. Mais inversement, effectivement, il est clair que l'outil Internet en particulier peut être extrêmement intéressant pour à la fois évaluer la réalité de ses conduites et faire un travail de prévention, de réduction des risques, même par rapport à ces drogues de synthèse. La Grande-Bretagne et le Danemark, je crois, ou les Pays-Bas, ont engagé des actions très intéressantes. La communauté européenne travaille sur ces questions au niveau des tendances récentes en matière de nouvelles drogues, et on sait bien que, comme dans d'autres domaines, c'est pas l'interdiction qui va être la solution, c'est l'accompagnement attentif de ce qui se passe, avec des outils de prévention qui peuvent et de réduction des risques qui peuvent apparaître et qui peuvent apparaître sur le numérique. Alors pour les jeux de hasard et d'argent, ce sont des modérateurs ou des messages d'information dont l'efficacité a besoin d'être évaluée clairement, mais dans des tas d'autres domaines, on pourrait trouver et on peut construire, imaginer des équivalents. C'est peut-être un des enjeux de notre MOOC de réfléchir aussi à ce que pourrait être l'utilisation de ces outils de prévention à travers le numérique lui-même. Oui, Marc. Oui, non, on peut citer le site Psychoactif qui est construit par des usagers de substances qui racontent leurs expériences positives ou négatives avec telle nouvelle substance qui vient d'arriver, etc. Oui, et qui fait partie de ces nouveaux outils d'information et de prévention que permet Internet. Oui. Aide Infojeu, le site Aide Infojeu de l'IFAC qui peut aussi, par rapport à des joueurs ou des entourages de joueurs en difficulté, être une ressource. Oui, tout à fait. On peut citer aussi les sites des personnes qui sont sur des tendances anorexiques, hein, ou très très fréquemment. Il y a un grand soutien. Enfin, c'est avec des malentendus, parce que pendant longtemps, on a cru que c'était l'apologie de l'anorexie. Et effectivement, il y a un travail d'Antonio Casilli. Ça n'est pas que négatif. Voilà, auquel vous pensez, Philippe, exactement, qui a montré qu'on avait été un peu vite à discréditer ces sites, qui sont en fait des sites d'entraide où la solidarité il y a des sites fort. D'entraide, il y a des sites d'incitation. Voilà, il y a toujours le remède et le poison, j'ai envie de dire. Mais le temps passe vite, on a déjà fait le temps d'échange avec nos questions d'animateurs, et je vais donner le micro à Didier afin qu'il pose quelques questions qui nous sont parvenues par Internet. Alors, on a un certain nombre de questions. La première, par Coconuts Live, la mise en avant des objets drogues ne serait-elle pas une manière pour la société de ne pas se pencher sur les autres addictions ? Moi, c'est exactement ce que je pense. Hein. Je pense qu'on a construit la drogue comme ce qui était d'une certaine manière facile à interdire, parce que ça venait de l'étranger, parce que ça rapportait rien aux économies à un moment donné, et pour permettre d'innocenter l'alcool, le tabac et un certain nombre de produits tout aussi toxiques que les drogues les plus dures, mais qui font partie de notre culture, de notre économie, etc. Oui, je pense que là, la réponse est oui. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a fallu, il faut le souligner, en France, la position première du Comité national d'éthique au début des années 90 pour souligner que l'alcool et le tabac faisaient dans notre pays beaucoup plus de dégâts en termes de morbidité et de mortalité que les drogues illicites. Une deuxième question, toujours par live stream cette fois. Y a-t-il des bonnes et des mauvaises addictions ? Et un certain nombre de personnes ont parlé d'addiction positive, notamment en parlant du jogging, de pratiques sportives ou de questions comme ça. Si on parle d'addiction au sens clinique du terme, c'est-à-dire d'une conduite qui conduit à une souffrance telle que le sujet voudrait cesser et n'y parvient pas, non, aucune addiction n'est positive. Par contre, les addictions ne sont pas équivalentes. D'une part, certaines sont beaucoup plus
dangereuses que d'autres du fait de la toxicité propre de l'objet d'addiction. D'autre part, pour un individu donné, le fait d'être addict à un certain moment peut être la meilleure solution existentielle qu'il ait trouvée en face de difficultés énormes. On peut penser que même l'héroïnomanie, même le fait de passer par le crack, chez certaines personnes, est un mode de survie qui les aide à éviter des solutions qui pourraient être pires. Ça peut être, par exemple, une manière de ne pas se suicider. Bien sûr. Alors on peut ajouter, parce que je crois qu'on ne l'a pas formulé comme ça encore, que forcément, ça n'est pas l'objet qui définit l'addiction, mais la relation qu'un sujet, qu'un individu va entretenir à un moment donné avec un objet et qui va devenir effectivement un piège. Donc dès lors que, finalement, ça n'est pas l'objet qui définit l'addiction, on voit bien que tout objet, il n'y a pas de, en soi de bonnes addictions. C'est la manière dont chacun va construire sa relation à tel ou tel comportement qui va être décisive. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit être une référence pour nous tous. Merci. Une autre question par Twitter. Quels sont les critères qui différencient l'addiction au sens clinique de l'usage problématique? On en a déjà un peu parlé, mais il y a une question là-dessus entre usage problématique et addiction. On a fait partie avec Marc d'une expertise collective de l'INSERM sur le jeu, où on a passé un temps assez considérable à se mettre d'accord sur les termes. C'est vrai qu'il n'y a pas un consensus international sur les termes, et que là, quand on parle de problématique, on ne sait pas si ça fait référence à nocif, à abusif, à excessif. Donc je crois qu'on ne peut pas s'engager dans ce débat qui en fait est un débat terminologique qui n'a pas un très grand intérêt, d'autant que la tendance actuelle, y compris dans les critères internationaux les plus répandus, est d'aller vers ce qu'on appelle une approche dimensionnelle, où on ne fait plus des catégories comme on l'a fait avec l'usage simple, l'usage à risque, l'usage nocif et la dépendance, mais où on considère qu'il y a des troubles qui sont plus ou moins marqués, légers, modérés, graves, en fonction d'un certain nombre de critères. Donc la notion d'usage problématique, il faut la rapprocher, à mon avis, de ce qu'on a dit tout à l'heure, sur ce que le sujet a envie, rapporter ça à son expérience personnelle singulière. C'est ça qui définit le problème plus que d'autres. Oui, non, j'aurais dit quand même que la frontière doit être éminemment subjective. C'est le sujet qui sait, même s'il le dénie un moment, que cette conduite lui est nuisible, qu'il voudrait l'arrêter et qu'il ne parvient pas à l'arrêter. À mon avis, c'est là qu'il y a une frontière entre toutes les formes d'usage nocif, abusif, que la société peut réprouver, et l'addiction clinique, qui est vraiment le sentiment subjectif d'aliénation éprouvé par la personne elle-même. Oui, merci. Une autre question par live stream. Est-ce que les populations plus développées, alors j'ai envie de dire les pays plus riches, ne sont pas plus exposés à l'addiction? Les pays défavorisés ont-ils leurs addictions par rapport à l'aspect social? C'est difficile de raisonner en termes de pays. Ce qu'on sait, je dirais, je ne sais pas si ça s'inscrit en décalage par rapport à ça, c'est que les populations qui sont précarisées, qui sont très en difficulté à tous les niveaux, aussi bien socio-économiques qu'au niveau même de leur existence, qu'on appelle l'anomie en cas de chômage prolongé, etc., on sait qu'il y a une vulnérabilité à l'addiction qui est très forte dans ces populations précarisées, qui se trouvent être souvent d'ailleurs à la marge de sociétés et de pays plutôt riches. Et là, on a des facteurs qui sont absolument incontestables de vulnérabilité. Oui, j'imagine que la personne qui posait la question avait en tête peut-être la question de l'obésité très répandue effectivement aux États-Unis et qui nous gagne. Oui, on peut penser et qu'on voit très peu dans certains pays pauvres. Oui, mais qui va frapper, comme le rappelait Jean-Luc, oui, Vénis, plutôt des catégories défavorisées que des catégories très favorisées. Tout à fait. Alors que l'anorexie va plutôt être une maladie de milieux favorisés dans des pays occidentaux. Donc c'est complexe, en fait. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas réservé aux riches. Bon. Alors, je prends la question suivante. L'addiction d'un individu est-elle intrinsèquement liée à un comportement
ou une substance particulière, ou est-elle un phénomène qui peut changer de support ? Par exemple, est-ce qu'on peut passer de l'alcool au chocolat ? Ce qui est sûr, c'est que l'addiction est souvent polyaddiction, ce qui montre bien que d'ailleurs que l'objet n'est pas décisif dans l'affaire. Et on voit effectivement que la majorité des sujets qui sont vulnérables et qui sont concernés par l'addiction sont effectivement dépendants ou dans l'abus de plusieurs objets, plusieurs substances. Hein, ça, c'est une première référence. On a mis longtemps à accepter cette idée-là. Pendant longtemps, la polyaddiction, c'était surtout d'ailleurs les jeunes, et puis ça concernait personne d'autre, mais en pratique, l'alcool et le tabac, c'est une polyaddiction très répandue, par exemple. Et on pourrait ajouter que la moitié des joueurs, au moins, ont eu des problèmes avec l'alcool très importants avant d'en arriver à leur conduite de jeu pathologique, etc. Donc c'est la question des comorbidités, des co-addictions, qui est une question, qui est une réalité clinique, effectivement très 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 prégnante. Oui, c'est rajoute une autre un autre phénomène qui est le passage d'une addiction à une autre, et on voit bien des personnes qui ont été héroïnomanes, qui deviennent alcooliques, qui ensuite deviennent joueurs excessifs, qui finissent par être addicts au sexe, avec cette impression pour le clinicien qu'à chaque fois il y a quand même une moindre gravité, il y a quand même un progrès qui est vécu comme positif par les thérapeutes, mais qu'on ne commence à voir que depuis une date assez récente, parce que dans le temps les champs étaient séparés. Et pour un centre de toxicomanie, la personne qui devenait alcoolique était guérie. Pour le centre d'alcoolologie, il commençait à être malade. S'il devenait joueur pathologique, il était plus malade, il n'y avait pas de centre pour recevoir les joueurs. Donc c'est seulement maintenant, avec des centres qui reçoivent l'ensemble des pratiques addictives, qu'on va pouvoir objectiver plus finement ces trajectoires et ces passages d'une addiction à une autre. Mmh. Une autre remarque qui me paraît très importante, c'est que même pour les produits les plus considérés comme les plus durs, comme l'héroïne, la cocaïne ou le crack, l'immense majorité des expérimentateurs ne deviennent pas des addicts. Et on peut penser que, quel que soit l'objet d'addiction, le petit pourcentage de personnes qui deviennent accros sont les personnes les plus vulnérables à tous les niveaux, au niveau social, au niveau individuel, peut-être dans certains cas au niveau génétique, en tout cas au niveau de leur histoire de vie, de leur trajectoire de vie. C'est ceux qui vont être le plus amenés à chercher dans la relation addictive une solution à des difficultés existentielles parfois dramatiques. Oui, j'ai envie d'ajouter simplement que ces relais de conduite ne sont quand même pas une fatalité, et qu'on voit aussi beaucoup de patients qui ne sont pas dans cet engrenage et dans cet enchaînement, et qui se libèrent d'une façon qui ne passe pas par cette nouvelle forme de dépendance. Donc je crois que c'est quand même important de le souligner, même si le rapprochement qu'a fait Marc montre c'est la justification même de la notion d'addictologie, avec sa transversalité, et de structure d'aide et de soins et de prévention transversale. Parce qu'avant, on était dans des clivages assez surréalistes, il faut bien le dire. Oui. Donc, en résumé, si je comprends bien, on peut cumuler des addictions et on peut passer d'une addiction à l'autre. Hein? Et effectivement, moi, j'ai vu des héroïnomanes devenir de grands alcooliques, hein, fréquemment. À l'hôpital, on voit ça maintenant, malheureusement, souvent. On va revenir un petit peu au numérique, si vous voulez bien. La question du nombre d'heures d'utilisation par jour d'un jeu vidéo, par exemple, pour considérer s'il y a addiction ou non, revient régulièrement parmi les participants au MOOC, là. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet ? Globalement, pour l'addiction, on sait que le point de vue quantitatif n'est jamais suffisant. Première réponse. Marc va développer peut-être d'autres aspects, mais j'ai envie de dire ça d'abord parce que c'est vrai qu'on est toujours ramené au nombre d'heures, au nombre de verres, au nombre de etc. Le point de vue quantitatif n'est jamais suffisant compte tenu de tout ce qu'on a essayé de développer et du fait que ça doit s'évaluer dans le cadre d'une situation personnelle à un moment donné et que ça ne peut pas se réduire à du quantitatif. Oui, on n'a pas de critères objectifs, surtout que la pratique des écrans est devenue tellement importante que le jeu vidéo est devenu probablement le loisir numéro un. Le temps passé devant la télévision tend à diminuer, ce qui est probablement plutôt une bonne chose. Et on ne peut pas savoir si quelqu'un qui passerait sa vie entière devant des écrans n'aurait pas une vie tout à fait normale. Il y a tellement de choses différentes qu'on peut faire avec ces différents supports que le temps passé devant
un écran ne sera pas un critère. Oui. On a vu par ailleurs des histoires paradoxales. J'ai eu l'histoire d'un jeune qui a passé toute l'année du bac à jouer 4 ou 5 heures par jour à un jeu en réseau. Ça a beaucoup effrayé les parents qui étaient très inquiets, qui se sont dit il a raté. Et il a passé son bac, il a eu mention bien ou très bien. Pourquoi ? Parce qu'il s'est focalisé sur son jeu vidéo et il a travaillé pendant un an. C'était presque une forme d'assaise. Pendant ce temps, les petits copains sortaient le soir, allaient faire la fête le samedi, avaient des petites copines, avaient l'esprit ailleurs et travaillait moins bien que lui. Donc la focalisation sur une activité lui a permis de se concentrer par ailleurs sur le travail, et ce qui aurait pu paraître pour un temps excessif à n'importe quel observateur extérieur a été dans son cas quelque chose de très positif sur ses résultats. Comment avoir une appréhension globale de ce type de situation qui notamment effectivement mesure les répercussions sur le reste de la vie, et dans la mesure où sont préservés, je dirais, les investissements, les activités qui sont à la fois indispensables et aussi celles qui sont source de plaisir et qui l'étaient, eh bien, la question du temps ne va plus être décisive. Et je pense au témoignage, je crois, d'une de nos participantes qui s'appelait Angela, qui soulignait très très clairement qu'elle passait beaucoup de temps devant les écrans, mais que jamais elle n'était dans l'incapacité de s'arrêter et que ça ne remettait pas en question de façon significative les activités plaisir qu'elle avait depuis toujours. Voilà des points de repère qui sont beaucoup plus importants que le temps passé. Alors Marc souligne que les écrans aussi ne sont pas tout à fait identiques, et c'est vrai que si c'est du temps qui était passé devant la télévision, enfin le baromètre santé jeune de 2010 a très clairement montré que les écrans dits actifs, dont ceux dont on parle là, sont beaucoup moins nocifs que les écrans passifs comme la télévision, en termes notamment de surpoids. On revient à la question du surpoids. Le surpoids est clairement associé à ceux qui passent le plus de temps sur l'écran de télévision. Oui. Et pas du tout corrélé avec la consommation d'écrans actifs. Oui. C'est une donnée française récente. Je crois qu'il faut, pouvoir l'entendre. C'est corroboré par une recherche américaine sur les adolescents de 7 à 17 ans, je crois, qui évalue entre autres le temps passé devant les écrans. Alors j'entends bien que ça ne suffit donc pas à caractériser une addiction, le temps passé au numérique, le temps passé devant l'écran. Ça pose quand même des questions, justement, dans cette enquête sur plus de 10 000 personnes, je crois. En gros, c'était vers 2012, je crois, le temps moyen passé par 24 heures devant les écrans à visée ludique, pas à l'école, aux États-Unis, mais on n'est pas loin derrière, c'était, je crois, pas loin de 8 heures. 8 heures. Il y a 24 heures dans une journée, 8 heures tous les jours, c'est plus que le temps passé à l'école. Donc c'est quand même, et il est pris quand ce temps? Parce que tout à l'heure quand vous disiez on peut passer, quelqu'un pourrait peut-être passer tout son temps devant l'ordinateur et être tout à fait normal. C'était un peu provocateur je pense. Mais il est pris quand? Il est pris sur quoi? Alors c'est peut-être pas de l'addiction, mais bon alors c'est les jeunes, mais souvent sur le temps de sommeil quand même, ou sur le temps d'échange. Ce que je veux dire, c'est que à côté du domaine spécifique de l'addiction, où il y a de grandes souffrances et tout ça, il y a des questions liées à l'usage du numérique qui me semblent surgir et qu'on aura intérêt à travailler dans ce MOOC. Mais qui sont souvent des inquiétudes de parents qu'on peut comprendre et qui ont besoin d'être entendus et accompagnés, mais avec aussi, et on l'a tous vécu, je dirais, des malentendus. Hein, et par rapport aux jeux vidéo, par exemple, pendant très longtemps, on parlait de monde virtuel, alors même que ces jeunes qui jouent, d'ailleurs qui ne sont pas seulement des jeunes, souvent des jeunes adultes qui jouent beaucoup, ne sont loin d'être dans une bulle virtuelle où ils sont tout seuls, ils sont en interrelation permanente avec les autres joueurs qui font partie de leur guilde, etc. Donc il faut aussi remettre les choses à leur place, et c'est un nouveau mode d'interaction dans cette tranche d'âge qui doit être certainement observé, mais qui ne doit pas être diabolisé. Mais alors, pour un jeune ou un moins jeune qui se trouve ou qui se retrouve dans une addiction vraiment clinique, comment guérit-on d'une addiction? C'est une question qui vient du forum. Et ça sera la dernière question. Oui. À mon avis, on a dans le cas des addictions aux jeux en réseau
des cas qui existent, qui sont des vrais cas d'addiction, qui sont très minoritaires par rapport à l'ampleur de la pratique qui est devenue dominante chez tout le monde. Il s'agit d'addictions beaucoup plus faciles à traiter que l'héroïnomanie, la cocaïnomanie ou l'alcoolisme. Parce qu'on a affaire généralement à des personnes plus jeunes et à des personnes qui sont dans des milieux socio-économiques pas particulièrement défavorisés et qui jusque-là ont eu des parcours à peu près corrects. C'est-à-dire qu'ils ont des bases psychologiques, affectives, sociales suffisantes. Très souvent, on a affaire à des problèmes familiaux qu'il faut traiter en même temps que les problèmes d'addiction. Il faut aussi remettre de l'ordre dans la famille, que des vérités non dites soient énoncées, que les problèmes des parents redeviennent des problèmes des parents, que les problèmes d'autorité se posent, etc. Mais, sur le fond, la psychothérapie reste le cœur du traitement de toutes les addictions. La relation entre deux personnes, la relation entre un patient et une équipe reste le cœur du traitement. Et on peut dire que dans le cas du jeu d'argent, mais dans le cas du jeu en réseau aussi, le seul fait de voir quelqu'un régulièrement pour en parler change déjà profondément la pratique. On a été prisonnier, on a été seul dans un monde et on sait maintenant que dans 3 jours, dans 1 semaine, on va parler de ce qu'on est en train de faire. Ça introduit dans le jeu une réflexivité qui en était absente. Et déjà, ça commence à être la sortie de l'addiction. Oui, je ne sais pas si la question concerne globalement les addictions, le traitement des addictions, c'est un sujet extrêmement vaste, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il faut se donner du temps. Il faut imaginer que les choses vont évoluer par étapes, que ça ne va pas être en tout ou rien, parce qu'on resterait dans l'addiction. Et puis, il faut aussi imaginer qu'il va falloir agir à différents niveaux. Et c'est vrai que le niveau des facteurs d'auto-entretien, c'est-à-dire les comportements eux-mêmes, les schémas de pensée qui vont avec, ce qu'on appelle l'approche cognitive, mais aussi effectivement les facteurs prédisposants, donc la sécurité interne, la confiance. Finalement, il s'agit à la fois de se libérer d'une conduite et de réouvrir une perspective de vie possible. Bien, mais merci beaucoup pour ces interventions enrichissantes. Donc la semaine 1 n'est pas terminée, vous pouvez jusqu'à mardi intervenir, échanger, peut-être aussi tendre vers faire un peu plus de synthèse si possible. Et puis nous-mêmes de notre côté nous ferons une synthèse approximative de tous vos apports de la semaine qu'on mettra en ligne probablement mardi en fin de matinée, c'est bien ça? Et puis après, ça sera la semaine 2 où on entrera dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, à savoir vos usages du numérique, nos usages. Et puis voilà, à suivre, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.